Maître, j'ai trouvé des pizzas. Ma mission, mon maître. Dans ce cas, tu es prêt à affronter l'Empereur à mes côtés. Rejoins mon vaisseau immédiatement. Bientôt, nous régnerons ensemble sur toute la galaxie. Et nous réussirons enfin à manger cette foutue pizza. Vous êtes sur le point d'accomplir ce pourquoi vous avez été créé, semble-t-il. Oui. Enfin. Ce Vador qui a tellement la classe. La flotte de l'Empereur est arrivée. Ah, super! Vous avez fait venir l'Empereur jusqu'à nous. Quand attaquons-nous? Je ne l'ai pas attiré. Ah bon? Ces espions t'ont suivi jusqu'ici. Si je comprends bien, j'aurais pas ma part de pizza! Je voulais tellement une pizza au pepperoni. Quels sont vos ordres, mon maître? Vous avez outrepassé vos droits, Seigneur Vador. En prenant ce garçon sous votre aile, vous m'avez trahi. Maintenant, tuez-le! Ou je vous élimine tous les deux! Maître! Ensemble, nous pouvons le vaincre! Faites-le, Seigneur Vador! Terrassez-le! Et vous me prouverez votre loyauté! C'est pas mon fils, donc c'est pas l'heure de la trahison contre l'Empereur. Il faudra attendre le retour du Jedi pour ça. Oui, tuez-le, Seigneur Vador. Putain, non mais ce jeu de 2008, mais qui vaut encore le coup aujourd'hui? Mais pourquoi vous voulez Jedi Fallen quand on a ça? Et qu'est-ce que je vous disais? Normalement, dans la science officielle, quand tu te retrouves dans l'espace, ton corps implose. Mais pas dans les univers SF. Dans les univers SF, tu es juste dans le vide. Et nous sommes emportés par un petit droïde vers le paradis des Sith, ou l'enfer, va savoir. Seigneur Vador, il reprend connaissance. Ah, c'est bien. Ne le libérez pas. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez dire que j'ai pas le droit à ma part de pizza? Non mais merde, je me suis battu pour l'avoir! T'es pas très crédible, hein. Vous m'avez tué! Non. L'Empereur voulait ta mort. Mais j'ai récupéré ton corps et je l'ai amené ici pour le reconstruire. T'es un peu comme moi. Il fallait que l'Empereur te croie mort. Maintenant, tu vas pouvoir te venger et accomplir ta destinée. Putain, j'en ai marre. Bon, je fais ça pour tuer l'Empereur et pour avoir ma part de pizza. Quels sont vos ordres? Mon maître. Les espions de l'Empereur surveillent tous mes mouvements. C'est pourquoi nous allons devoir faire diversion. Quelle sorte de diversion? Un assassinat? Ça ne suffira pas à attirer l'attention de l'Empereur. Tu dois rassembler une armée pour t'opposer à lui. Une armée? Oui, une alliance de rebelles et de dissidents. Pendant que l'Empereur et ses espions seront occupés avec eux, nous frapperons. Ouf. Par où dois-je commencer? Ton destin est entre tes seules mains. Brise les liens qui te rattachent au passé. Personne ne doit savoir que tu es à mon service. Pars maintenant. Et n'oublie pas que le côté obscur sera toujours avec toi. Proxy? Ah, maître. Content de voir que vous avez survécu. J'ai cru un instant que je n'aurais pas le plaisir de vous tuer moi-même. Oh, je suis sûr que tu en auras l'occasion, quand on sera sorti d'ici. Oui. Mais avant de vous tuer, je dois tout mettre en œuvre pour vous aider à disparaître. Dois-je préparer le décollage du Rock Shadow? Oui, vas-y, je te retrouve là-bas. Eh ouais, c'est comme ça chez les Sith. Maître, j'ai accédé à l'ordinateur du vaisseau. Où est Juno? Ah oui, le pilote. Elle est toujours à bord, je crois. Dans une cellule. Le capitaine Eclipse est accusé de trahison.
De plus, le Seigneur Vador vous a explicitement ordonné de couper tout lien avec le passé. Vous n'envisagez tout de même pas de la libérer? Je ne sais pas, Proxy. Que le vaisseau soit prêt à décoller. Comme vous voulez, maître. Encore un bug de la tenue, hein. Encore une fois, il y a le truc qui est coincé, tout simplement. Et nous aussi, on est coincé. Bon, avant de faire tout ça, on a gagné des points, on a gagné des trucs, on a gagné des levels. Donc profitons-en. Pas de nouveau pouvoir ? Alors pas d'amélioration ! Ce qui est triste. Mais nous sommes obligés, nous devons supporter. Bon, qu'est-ce que j'améliore ? Qu'est-ce qui donne de la vie déjà ? Non, parce que moi j'ai besoin de vie. Chaque rang augmente les dommages, non, chaque rang augmente le nécessaire, chaque dommage que vous essuyez, augmente la santé que vous récupérez par un ennemi, augmente la vitesse avec laquelle, votre énergie de force, votre santé, elle est là. Parfait, c'est un bon début. Continuons, nous avons un point. Un point qui ne nous sert à rien. Mais nous l'avons quand même. C'est un autre. Bon, vous avez compris quoi. Voilà, on évacue l'air empoisonné. On a la tenue buggée, bon bah c'est triste, mais bon, et là vous voyez, oh un holocron qui nous est donné, mais c'est normal. On dirait que la créature de Vador a fait les siennes. La créature, hey, je suis un humain. Cristal de sabre bleu. Parce que ouais, maintenant on va se prétendre Jedi. Voilà. Et voilà. Bon. Maintenant que ça c'est fait, il y a des trucs ici. Il y a des objectifs. Détruire les capsules restantes, d'accord. Holocron, 5. Il y en a que 5. Tant mieux. Non mais vous tirez tout le temps les gars et vous visez super mal. Bon bah coupure. On reprend. Ah, les fenêtres, les fenêtres. Parfait. Alors, par ici. Brèche de sécurité dans le secteur 9. Le sujet 1138 s'est échappé. Tirez à vue. 1139 ? Oubliez les spécimens, il faut sortir d'ici. Je me disais bien. Ouais, alors eux, faut pas les électrocuter, ça leur donne de la puissance. Bon, j'ai tué tout le monde ou... Oh, pauvre impérial. Je cherche des holocrons, j'en ai déjà bah, 3 sur 5. Oui, c'est un tout petit niveau de transition. Ah, il est là. Pardon. Bonjour monsieur. Non, j'arrête pas. Pourquoi j'arrête pas? Une porte qui ose me résister! Navigation. Qu'est-ce qui se passe? Proxy, c'est toi? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai envoyé le vaisseau s'écraser sur une étoile voisine. Quoi? C'est le moyen le plus rapide de se débarrasser des étoiles. Le Seigneur Vador a clairement spécifié que personne ne doit savoir que vous existez. Je savais que tu allais encore essayer de me tuer. Non, non, pas cette fois-ci. Vous devriez avoir le temps d'atteindre le vaisseau avant qu'il ne percute cette étoile. Super! On va percuter une étoile! Non mais c'est vrai, je fais ça tous les samedis! Les systèmes de sécurité de l'Empirique ont été neutralisés. Tous les membres d'équipage doivent rejoindre les capsules de sauvetage. L'Empirique? Dis donc, tu parles d'un... Rejoignez les capsules de sauvetage! Le code, et c'est encore! Deux fois, ça marche pas. Et c'est encore! Ça sert à rien les gars, je vais tous les envoyer.
Ah, les Shadow. Les Shadow Troopers. Ceux qui peuvent se rendre invisibles. Je les déteste parce qu'eux, ils se TP à chaque fois. Ok, les gars. Ok, parfait, ça c'est fait. 4. Si tu crames. Ok, alors je crois que j'ai eu tout le monde, c'est bon. Je regarde bien. Qui a survécu? Monsieur, rendez-moi mon XP. Merci. Donc, nous visions. Vous avez vu, il a même sabordé les contrôles des capsules. C'est pour vous dire à quel point Proxy, c'est un pro. Hein. Santé, reste. Oh, je n'aime pas ça. Proxy, c'est toi qui as largué les capsules. Bien sûr, c'est. Je ne fais pas les choses à moitié. Eh bah ben, j'ai trouvé. Et voilà. Oh les cristals de puissance, c'est vrai, j'ai carrément oublié. Donc oui, alors on a récupéré augmente votre capacité à dévier les tirs et les attaques au sable subies sont susceptibles de causer des dommages électriques supplémentaires. Bien ça, bien, merci. Donnez. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec celui-là. Bon, maintenant qu'on a réussi tous les objectifs. Sympa le droïde. Oui, c'est un droïde ce truc là. Hein. Nouvelle priorité. Séquence d'élimination activée. Tuez la cible. Aïe. Nous approchons du sommet. Oui, alors je fais ce que je peux, ok hein. J'aurais pas dire, mais ils sont nombreux là. Voilà, Julien. Elle doit mourir. Il doit pas arriver jusqu'à elle. Mince. Tiens, ça me fait penser. Messieurs les officiers. Oui, je sais, les gars, j'arrive vous voir. Vous inquiétez pas. Vous êtes pas où. Ah. Il y en a un donc qui a survécu. Eh ben maintenant c'est plus le cas. Allez, messieurs. Allez, messieurs. Allez. Ça y est, je vous l'avais dit. Ah, je suis un ennui. Bien, nous avons obtenu des points, donc que pouvons-nous faire de tous ces points? Ben, on va les garder pour les autres pouvoirs, là. Par contre, pour ici... Que faire, que faire? Que prendre, que... De toute façon, il faudra bien que j'améliore tout. Je prends au pif, hein, je vous cache pas que... Est-ce que ça débloque le truc? Non. Alors attends. Tac, là on a un 3 points qui débloque sûrement celui-là, ou alors c'est la dévastation qui débloque. Eh ben, nous allons prendre la dévastation aérienne, ce malheur sympathique.
murs, c'est bien. Donc, oui, alors, oui, c'est vrai. On a une copine à aller sauver. J'ai presque failli oublier. Gino ! Gino ! Dis-moi que t'as toujours envie, s'il te plaît. Ah, super. Vador a dit que tu étais mort. Mais tu es revenu. On me tue pas si facilement, hein. Je suis un héros de jeu vidéo. On m'a accusé de trahison envers l'Empire. Ça m'est égal, complètement égal. Je laisse l'Empire derrière moi. Et je ne dis pas ça parce que j'ai prévu un truc avec Vador. Ouais, ça peut être bien. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fout maintenant ? Personne ne nous a suivis. Nous avons laissé les forces impériales très loin derrière. Y a un problème ? La galaxie tout entière s'offre à nous. Et pourtant, pour la première fois de ma vie, je ne sais pas où aller. J'espère que tu as un plan. Oui. Il faut se rallier aux ennemis de l'Empereur. Et trouver quelqu'un pour m'apprendre ce que Vador ne m'a pas appris. Donc on continue de chercher des Jedi. Il y en a un qui est peut-être encore en vie. Le général Kota ? Oui. Quand je l'ai affronté, il m'a dit qu'il ferait partie de mon avenir. Eh bien, j'espère qu'il disait vrai. Direction Nar Shaddaa. Pendant ce temps, quelque part sur une planète impériale, un mec qui aime bien la chasse, parce que vous voyez, il porte un truc de fourrure, donc forcément il aime la chasse. Tintin, vive l'Empire. Carrément, les gardes de l'Empereur. Ah, bonjour. R2-D2 et la princesse Leia, bonjour. Princesse Leia, c'est un honneur d'accueillir un membre du Sénat. Ne vous moquez pas de moi, Capitaine Stern. Nous savons tous les deux que je suis retenu en otage. On cherche à empêcher mon père de s'élever contre l'Empire. Dans ce cas, la situation est très claire, sénatrice. Tant que votre père tiendra sa langue, il ne vous aura fait aucun mal. Sinon... vous serez la malheureuse victime d'une révolte de Wookiee. Ces esclaves sont des brutes épaisses, vous savez. Ça fait depuis pas mal d'années que Kashyyyk... Conduisez-moi à mes quartiers. Avec plaisir, princesse. Comme je disais, ça fait depuis des années que Kashyyyk est sous le contrôle de l'Empire. Vous le savez, hein. Je rappelle le prologue, tout ça, hein. L'Empire a conquis l'endroit, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je sais pas. Mais ça fait un super laser. Bon, normalement, là, vous savez où est-ce qu'on est, hein, avec les Longnuts. Et décidément, je suis un type qui adore changer de frein. Général Kota ? J'ai payé pour avoir cette table, alors qui que vous soyez. Foutez le camp ! Je vous ai traqué dans toute la galaxie, de Nar Shaddaa à Zyost. Oh, Zyost ! Qui es-tu ? Un chasseur de primes ? Pas vraiment, mais on doit pouvoir s'entraider, Jedi. Mais je ne suis plus un Jedi. Plus après... ça. Vos yeux ne m'intéressent pas, seul votre esprit compte, et tout ce que vous pouvez m'apprendre pour combattre l'Empire. Ceux qui affrontent l'Empire n'y survivent pas, mon garçon. Il n'est pas loin. Il vaudrait mieux que vous ayez tort, général. Le voilà, là-bas, on bouge plus. C'est sympa le serveur avec la petite... avec le petit nopat. Oula. Il va falloir venir nous chercher à l'extérieur du bar. Maintenant. J'arrive tout de suite. Pause. Alors, c'est très bien tout ça, etc. Je veux bien, d'accord, ok, très bien. D'abord, on voit s'il y a des nouveaux pouvoirs. Et oui, je le savais. J'ai bien fait de conserver mes points. Et il nous restera plus que le bouclier d'éclair. Et après quoi, on pourra s'amuser à mettre des pouvoirs de partout. Ok. Donc ça, c'est fait. Oui. Alors, oui. Je sauvegarde, d'abord. Ok. Ensuite, je fais ça. Très bien, voilà. La partie est donc sauvegardée. Aussi, le fait qu'on entend parler de Zyost avant Star Wars The Republic, je vous rappelle que Star Wars The Republic, le jeu que vous connaissez aujourd'hui, est sorti en 2011. Mais il faut savoir qu'il y avait déjà une version du jeu qui était sortie en 2007-2008. Une version alpha, vous voyez, voire bêta.
où on faisait des combats de sabre, mais c'était pas super original. Cherchez les images de les toutes premières images du jeu lors de sa création. Vous verrez que c'était juste des combats de sabre avec toi qui choisissais le sabre bleu ou l'autre qui choisissait le sabre rouge. Et après quoi, vous vous tapez dessus. C'était un peu le mode duel de Jedi Academy, mais dans l'univers de la galaxie de l'Ancienne République. Le truc, c'est que ça n'a pas trop plu aux joueurs quand ils ont essayé la bêta. Donc, ils ont annulé et ils ont décidé de refaire un RPG comme les KOTOR. Voilà. Donc, voilà, voilà. Donc, tatati tatata. Et donc, en 2008, on entend déjà parler de Zyost. Et je rappelle que Zyost, dans Star Wars The Republic, n'apparaîtra qu'à partir de 2013-2014, au moment de la sortie de Rise of the Emperor. Voilà, voilà. Pour dire. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Pour vous dire que donc ça fait depuis très longtemps que les noms des planètes existent, tout ça, etc. Donc, voilà. Voilà, voilà. C'est... voilà. Et donc, pour savoir donc qu'il y a du monde qui se retrouve encore sur Zyost, bah, les choses ont dû bien changer en 3000 ans. Hein. Je vous rappelle, ça se passe 3000 ans avant la bataille de Yavin 4. Hein, la série, enfin, Star Wars The Republic et les KOTOR, ça se passe 3000 ans avant la bataille de Yavin. La bataille de Yavin est l'année 0 dans l'univers Star Wars. C'est ça qui sert de base à la chronologie Star Wars. Tu as les années moins, donc c'est-à-dire ce qui se passe à la prélogie, durant l'Ancienne République, tout ça, etc. Et t'as les années plus. Les années plus, bah, c'est durant l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi et ce qui se passe après. Voilà. Voilà, voilà. Enfin, en tout cas, c'était comme ça que c'était prévu, parce qu'après, il y a eu Disney, tout ça, blablabla. Bref, vous avez compris. On se retrouvera donc pour une prochaine vidéo, enfin, de prochaine vidéo, hein, puisqu'on va faire plusieurs niveaux maintenant. Et ouais, je ne vais plus me concentrer sur les holocrons Jedi, ça, on s'en fout. Je l'ai cherché, hein, mais on s'en fout, nous on veut avancer, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah, pour pouvoir finir le jeu, yeah yeah yeah, yeah yeah, et pour faire ensuite la fin lumière et la fin obscure, qui va être très chiante, mais on va quand même se la taper, et après quoi deviner, et oui, ce seront les DLC du jeu, et peut-être qu'après, plus tard, si vous me le réclamez, je ferai le 2, si vous me le réclamez, parce que c'est pas prévu à la base, voilà, mais je peux l'avoir, je peux trouver la version avec le DLC en dehors, ta 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 ta. Le Valmar adore Star Wars, bien, et le Valmar adore chanter. Donc, comme je disais, à plus, portez-vous bien, j'ai gagné, c'est celui-là, ciao, ciao, on se retrouvera donc pour de prochains épisodes de Star Wars, le pouvoir de la force. Je vous dis, à plus. Je me tire sur ma licorne magique. Oui, j'ai une licorne magique, en mangeant des cookies. Oui, elle carbure aux cookies, ok, hein. C'est la meilleure des licornes, parce qu'elle a compris ce qui était bon pour elle. Voilà, allez, je m'en vais. Au revoir.